Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de Pokémon Or avec Ores. Alors qui dit 13e épisode, épisode maudit. Car j'ai essayé de tourner plusieurs fois et j'ai été confronté à un problème. Pour continuer dans le jeu, il faut un Pokémon ayant cascade. Alors je pensais pas à de problème, hein, Sarkozy, cascade, il peut faire surf, du coup, cascade, ça doit marcher. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction quand... Hello darkness my old friend. Voilà, c'est... Bon, mon chant n'est pas terrible et Sarko ne peut pas apprendre cascade. Du coup voilà, bon, on a besoin de Siphon pour aller chercher le Crow Dragon. Donc Siphon il peut l'apprendre. Donc je le prends maintenant. Donc déjà j'ai dû aller chercher cascade avant planquer je sais plus où. Enfin je sais plus où, planqué dans la grotte pour aller à Ebenel, la ville où nous sommes. Et pour avoir un Pokémon qui a cascade et surf, car on a besoin de ces deux capacités pour progresser, cascade étant un peu moins utile sans surf, certes, eh bien je suis allé capturer un Mimikyu dans la zone où je vais précisément actuellement. Bon naturellement j'ai pas avancé plus que ça dans le jeu, parce que c'était clairement un petit peu chiant. Hein. Un petit peu relou. C'était purement des trucs relous. Enfin, un truc relou. Le passage un petit peu relou que je voulais vous éviter. Donc, que je vous ai évité. Vous voyez, j'ai été bien déceptionné quand j'ai constaté que Sarko ne pouvait pas apprendre cascade. Parce qu'en plus, cascade, c'est du physique, c'est de l'eau. Enfin, ça aurait été génial. Ah, c'est là. Ça aurait été génial, quoi. Ça aurait été totalement goldé sur Sarko. Du coup, au résultat, je lui ai appris Siphon. Siphon, c'est de la grosse daube. Du coup, on va aller récupérer ce Crow Dragon. On va aller voir l'effaceur de capacité qui est un peu plus au sud à Ebenel. Afin de lui faire oublier Siphon. Comme ça sera fait. Parce qu'à moi, on regarde pas ça. Enfin, moi, j'aime pas Siphon. Peut-être que c'est bien au final, mais. Ça préfère sur plusieurs tours. Ça a 15 de dégâts, moi je trouve ça pas terrible. Peut-être que en stratégie c'est bien, peut-être que c'est bien au final, mais moi j'aime pas. Merci pour ta CT, madame. Je sais que c'est Draco Souffle maintenant. Et que je l'ai fait deux fois. Une fois avant de me rendre compte que je n'avais pas cascade, et une fois avant de me rendre compte que Sarkozy ne pouvait pas avoir de cascade. Oui, ta blague avec mauvaise haleine, oui, je sais. Ah, j'en peux plus. Là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie actuellement. Ça ne se sent peut-être pas, mais... Je suis au bout de ma vie, le fait que Sarkozy ne pouvait pas apprendre cascade m'a ruiné. Ça veut dire que toute la route victoire, on va devoir la faire sans Sarkozy. Et ça, ça c'est triste. C'est triste tout nous. Là c'est le professeur Homme qui nous appelle pour dire qu'il veut nous donner la Master Ball. Mais je sais, j'ai déjà fait deux fois. Là il nous hype, hein, il nous fait oui, j'ai un truc à te donner. Ah là là, je ne sais pas ce que c'est, tu verras. Mais je sais, professeur Homme. Professeur Homme, je suis brisé. L'évasion des capacités, il est juste là, on va le voir, on se dépêche, hop. Oui, t'es le type qui fait ce genre fou. Oui, bien sûr, hein, oui. Efface-moi cette immonde bouse de Siphon. Voilà. Oui. Ah, la musique est cool. La musique est cool, ça, c'est admirable. Et surtout la logique, quoi, enfin... C'est un alligator. C'est un alligator qui peut nager. Il peut pas prendre cascade. Il peut pas pas remonter une cascade. C'est incompréhensible. Bon Sarko, tu vas sur le banc de douche. Le banc de douche pour cet épisode là. Le temps d'aller à la... Le temps d'aller à la ligue. Pas XP. Ah, c'est trop chiant.
chiant. Bon, comme vous pouvez le voir, je lui ai déjà appris surfer cascade. Du coup, on va pouvoir aller à Bourgeon. On va quand même aller récupérer la Master Ball par respect pour la Master Ball, parce que c'est la Master Ball. Hein. Il y a une dans le jeu. Et c'est bien de la voir. Je vous dis que. Là, je peux vous dire que j'ai regretté de ne pas avoir capturé de l'élévateur rouge. J'aurais été content de l'avoir dans l'équipe. Mais c'était tellement qu'il aurait pu remplacer Sarko, même si. Ça n'a pas de sens, cet épisode. Cette série sans Sarko n'a pas de sens. Sarko, c'était un petit peu la trame narrative. Le garant de la trame narrative, en quelque sorte. Mais bon, voilà. C'est fini. En sang. Un épisode ensanglanté. Voilà. On va utiliser un repousse avant de se faire agresser par des Pokémon. Voilà. Mais pourquoi tu ne peux pas apprendre? Oui, je sais. Je suis à... oui, Kanto. Et blabla, je m'en fous. Plus rien n'a de sens. Tout est mort. Non mais... Oui, bien sûr, je faisais les cascades, oui. Ah, super animation, on est content. Maintenant, on peut redescendre, hop. Voilà, petite... Oh, peut-être qu'il y a un centre... Un PC là-dedans. Oh, il y a un PC. Non, c'est une radio. C'est une radio, putain, c'est une radio. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui. Oui, ils sont assez confiants. Ah. Tempête de sable. Qu'est-ce que j'en ai à foutre à tempête de sable? Mais je m'en fous. Moi, je voulais un PC pour mes Pokémon. Non, barre-toi, non. Je m'entraîne tout seul, non, je m'en fous, je ne suis pas d'humeur, je veux juste récupérer Sarko. Mais je ne peux pas, du coup. Ah putain, mais il est encore paralysé, lui, ce débile. Hortefeu, t'es paralysé, Hortefeu. Hortefeu, tu reviens. En plus, voilà, c'est des trucs de type plante, du coup, Canidos, il veut leur faire les fesses. Canidos, vas-y. C'est un bulle bizarre, c'est... Oh, on est à Kanto, c'est fou. Incroyable. Pff, mais Sarko... Mais quel bullshit. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas que Sarko ne puisse pas apprendre... Ne puisse pas prendre cascade, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça totalement scandaleux. Mais Kanios, quand est-ce que t'up là? T'es niveau 31, t'es toujours pas up. T'up quoi, tu up niveau 50, niveau 40. Comme ça on n'aura pas fini le jeu, tu seras toujours en Kanios. Ça va être bien. Florizard. Quelle originalité. Ça va être Air Bizarre, c'est ça? Plaquage, merde. Ah, ça c'est pas cool. Ah, mais ça va. J'ai pas tourné à pire. Oh, seulement? Ok, on va utiliser une potion d'opération, je pense. Messieurs, dames. Là, Kadino s'y prend un peu le pâté. Tu sais, ça va le faire XP. Faut bizarre, le faire XP, c'est cool. Hop, voilà, on a encore des super potions, et ça c'est cool. Et c'est Kalinos, tiens. Qu'est-ce que t'as comme objet, Kalinos? Qu'est-ce que je lui ai donné? Non mais je me fais pas de soucis, hein. Au bout d'un moment t'auras plus de CC de CC. Ah non, c'est hyper relou, ça. Ça c'est hyper relou. Je te dis, à tout moment, un coup critique, c'est fini, hein, a priori. C'est tellement la fin. La fin des haricots. Voilà, on s'en fout, on utilise un milliard d'hyper potions sur Kadinos. On veut XP Kadinos. Là, on espère sincèrement qu'il n'y ait pas de coup critique ou de Kadinos qui ne peut pas attaquer à cause de la paralysie. Sinon, je vous le dis, je coupe l'épisode et je vous en plus. Voilà. Là, je suis au bout du haut de ma vie. On a de l'argent, on a de l'argent, on se le permet, on a de l'argent.
Parce qu'après tout, c'est pas comme si on partait pour la route victoire, comme s'il fallait... Il fallait... avoir des potions. Peut-être qu'on va en racheter, en fait, je me dis. Ah non. Il va y avoir tous les coups le rival quelque part qui va traîner. Comme un salaud, on n'aura pas Sarkozy. Quel coup dur, quoi. Bon, il a plaquage ou pas, lui? Est-ce que j'ai pas un truc qui fait tout, là? Guérison, non, pas de guérison. Ah, tranché, ah bah, j'aurais pas eu le soigner, a priori. Ça va rien lui faire, ça. Ah, et quand même. Non, pas sac, non, non. Ouais, je... J'en peux plus. J'en peux plus. Oh là là, mais non dégâts en plus, quoi. Canino, s'il te plaît, évolue, quoi. Évolue ou apprends au moins lance-flamme. La prochaine fois que tu es, s'il te plaît. Je t'en serai infiniment reconnaissant. Je pourrais regarder, c'est vrai, quand est-ce qu'il up, quand est-ce qu'il apprend lance-flamme, mais... Mais au final, j'aime bien avoir la surprise, j'avoue. J'aime bien avoir la surprise, j'aime bien devoir up et le voir apprendre sans forcément le savoir, hein, parce que c'est beau, c'est beau. C'est le côté un petit peu inattendu qu'il y a dans Pokémon. On va totalement lâcher les trucs, hein. Ouais, bah ouais, on va partir où il y a un moment. Si on n'a pas d'antipara, on va y aller, hein. On a plus d'antipara, bon allez. Vous savez quoi? On va rapidement. On va retourner à Ebenel très rapidement. C'est pas comme si ça avait pris du temps tout ça. D'abord, on va aller soigner les Pokémon. Voilà. Super. Non, on va aller acheter toutes nos merdes au shop. Hop. Alors, bonjour monsieur. On va prendre des hyper potions. On va en prendre. On va en prendre 5, vous savez quoi? Ouais. Il n'y a pas moins. Ah bah d'accord, très bien. Bien, nous pousser à la consommation un peu. Ah, y'a. Oh, mais c'est. Mais quelle arnaque ce magasin! Quelle arnaque! Y'a pas non plus de. D'antipara, y'a que des. De tels soins. Oh, oh je suis au bout. Oh, je suis au bout. Je suis au bout tellement. À 13 minutes et on n'a pas avancé. 13 minutes et on est en train de faire des allers-retours parce que je suis pas foutu de faire le plein de trucs avant de partir parce que j'oublie. Coup au moral. Coup au moral. Critique au moral. Non mais... Chaque fois j'avance trop. Mais voilà, mais il peut faire ça, Sarkozy. Il peut speed aussi dans les cascades. Ne montez pas. Voilà, c'est bon. On retourne à la case départ. C'est parti. Oui, bien sûr. Allez, hop. Oh, ça y est, vie de bataille, vouloir se battre tous les coups. Totalement. Oh, barre-toi. 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 T'es un top dresseur, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah écoute, c'est acier ça a priori, du coup Canino s'il peut se le faire. En plus il reste que d'up à tous les coups. Et oui, Canino s'il évite tout de vers quoi. Et puis je le rends tout en plus, alors qu'il est même pas évolué. Et qu'il y a du goût de moins. Oh.
Oh. Kalinos, tu résistes. Kalinos, tu fais pas le fou. Kalinos a plus de vitesse que muscle, vraiment? Et bah, au moins, il est bon dans un truc. Puisqu'il fait 800 points d'expérience sur ça alors qu'il est au 34. Un marestre, ça c'est. C'est chiant. C'est sol. Sol haut, ça veut dire que hors de feu il a pas le. Il a pas le type qu'il faut. Du coup, on va laisser ça, on va faire un dino au point. Ça passe toujours. Voilà. Tiens, tu vas manger ta maman, tu vas être confus. Faites blesser, buste passif au 35. Ouais, je vais se passer. Voilà. Il m'a tellement pas te respecter qu'on va résu Kalinos, voilà. Hop, rappel. Parce que Kalinos, t'as intérêt à up. Elle est plus confus, très bien. Ah mais séisme, très bien. Ah moi quand je suis confus, ça dure 6 tours. Hein. Je me sens exténué. Kalinos, tu finis ça. Hein. Tu finis ça, tu fais un bélier. Tu fais un bélier, tu finis ça. Ouais, voilà, au moins. Ouais, c'est l'épisode où je suis triste. Bon, de 9, c'est full plante, ça, il me semble. C'est plein de poison. Oh, on s'en fout, allez, on s'en fout, go. On s'en fout. J'ai perdu tout intérêt pour la vie, pour la mort. Ouais, ça affecte pas Kalinos. Ouais, Kalinos, il trouve un pour toi. Kalinos, il te bat à plate couture. Et non, pas un certain mot en N. Qui finit comme patriotique. Voilà. Patriotique étant un nom au hasard que j'ai pensé. Et il ne pas, ça m'en fout. Enfin, on faisait un rappel encore sur Muscle qui s'est pris un séisme critique qui a mis 111 dégâts. Enfin 111 PV. Très content. Voilà, Muscle est full life. Aussi full life, on peut continuer. Et ben c'est bien, genre premier dré. Je vous déteste, dresseur, je vous hais de tout mon être. Oui, t'as l'air content, t'as l'air malin. Voilà, ça compte ça avec. Ça c'est sol, par exemple. C'est sol, du coup c'est trop relou à gérer pour tous les Pokémon. Bon Volt, je sais pas, peut-être que le vol est. Dans Vol c'est sur Roche que c'est efficace, pas sol. Après j'ai vu s'il est sol Roche ou pas, mais on va envoyer muscle hein, comme d'habitude. Après tous ces muscles qui fait tout ici. À moins qu'il se prenne un séisme et qu'il meure. J'ai de sable, très bien. On va pas faire Dino Point. Deux Dino Point a priori. Quoi que si, on s'en fout. Non, on va pas s'en foutre apparemment. Quoi? Ouais, c'est vrai que c'est défensif ce truc-là. Ah, je me sens blasé. Je me sens totalement blasé. C'est vrai que Sableo il a beaucoup de défense, voilà, c'est vrai. Je sais pas, je suppose, vu ce que Muscle lui a mis. Il va one-shot Kadabra, non c'est bon. Bon Kadabra t'as intérêt à le finir avec Grafap. T'en fais pas le finir avec Grafap si Kadabra, non. Tu vas juste mourir comme une merde. Enfin comme merde, comme un caca de type psy. Voilà, là tu vas être KO. Voilà.
Bah, il faut que je me reprenne, faut que je me concentre. Tu me fais plaisir, tu ne finis avec ton bélier, hein. Voilà, merci Kainos. Faut que tu aies Kainos. C'est bien muscle. Tu sais que j'ai pas une équipe, enfin je pense avoir une équipe plutôt. Plutôt polyvalente. Mais. Et voilà, pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que muscle. Enfin muscle, pourquoi est-ce que. Sarkozy ne peut pas apprendre cascade. Ça me rend juste fou. Bah, une hyper potion pour 38 HP, hein. Ça aurait déjà été plus. Une super aurait été. Oh! Une super potion aurait déjà été plus efficace. Alors, toi, t'es un gros débile qui a des Pokémon psy. C'est. Juste dans la ligne de dialogue, je pense que c'est ça. C'est ça. Oh, alors là, mon petit vieux. Ah, niveau 30. Niveau 30? Ah non, niveau 30. Oui, reste niveau 30 aussi, a priori. Tiens, tu vas prendre ton point éclair et tu vas juste te taire. Charge. Genre vraiment, tu me tais comme ça, tu allez charge. Tu dis charge. Ah, bon, c'est bien. Au moins, Hortefeu, il met tout le monde d'accord. Le 9, c'est Kainos qui va s'en charger, hein, a priori. Il n'y aura pas trop de soucis, peut-être qu'il va up en plus. Non, il va pas up, il va pas up, mais en tout cas, il va gagner un peu d'XP. Kainos, il faut que tu up. Kainos, je ne le répéterai jamais assez. Ah bah, Kainos, wow. Écoute, Kainos, je comprends bien que tu veux te faire pardonner, mais c'est pas ta faute si... Girafarig. C'est normal, Girafarig. Que c'est normal psy. Ah ouais, c'est normal, je peux pas mettre de tech spectre dessus, il me semble. On va tenter, mais... Ah non, c'est normal psy. Ok, ok, j'ai compris. Non, c'est que normal. Non, je pense pas, hein. Non, il faut être normal psy. Ah, c'est trop lourd, bon, hors de feu, au secours. Relais. Mais arrête, enfin, relais, il me semble que ça va marcher quand t'as d'autres Pokémon dans ton équipe, enfin, comme le principe d'un relais. Mais, hors de feu, qui t'arrive. Un peu tout feu, tout flamme, Hortefeu. Contrairement à Kainos. Encore utiliser une hyper potion. Il nous reste combien? Il nous reste 10. Ah mais d'ici, mon voit que le chignon. Après je pourrais aller dans l'eau et bah juste aller dans l'eau et utiliser des repousses et éviter tous ces gauchures de dresseurs, enfin, gauchures. Tous ces salauds de dresseurs, mais bon, faut faire exprès les Pokémon, il faut bien que Sarko ait 50 ans de retard. Un niveau de retard. Hortefeu, tu me bluffes honnêtement. Tu me bluffes totalement. Il n'y a aucune, c'est uniquement normal. Bus qui va la défonce. Muscle, des résistants muscles. Ah oui, muscle. Quoi?
Quoi? J'essaie de réfléchir à pourquoi est-ce que Muscle lui a rien fait, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le... il n'y a pas la... Pourquoi je ne bénéficie pas du dégât x2, il me semble que c'est normal, Nidoqueen. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... Je peux me tromper sans doute, d'ailleurs. Je peux me tromper sans doute, du coup, mais... Mais je vais m'expliquer pourquoi ça... Ça ne fonctionne pas, en fait. Enfin, pourquoi ça ne fonctionne pas. Il me semble vraiment que c'est normal, il me semble que toute la famille est normale. Peut-être qu'il y a des poisons, enfin, toute la corne est une corne... Pals, tu ne te fais pas de KO au premier tour, s'il te plaît. Ouais, ça va nickel. Quoi? Genre, elle a plus de vitesse que toi, Pals? Genre, vraiment? Ah, c'est bon dégâts. Non mais... Non, juste non. Non. Là, je vais commencer vraiment à rager. Vraiment commencer à rager. Non, juste non. Ah oui, c'est effectivement les poisons. Pendant moi. Staros, on les connaît, Staros, hein, on met hors de feu, on fait un point éclair, c'est fini. Et ben, Nidoqueen, je pensais que c'était normal. Mais effectivement, maintenant, maintenant que j'y pense, oui, c'est bien poison, tant pour moi. Hors de feu qui a deux évolutions et qui est déjà évolution maximum, niveau 33, alors que Kadino, c'est. Il me semble niveau 34 et toujours première évolution, ça c'est. Je sais pas. Enfin bon, il y en a qu'une seule, effectivement, mais... Paglop. TG. TG. Non, non, je m'en fous. Non, je veux... Renie-moi. Renie-moi. Maman, renie-moi. Juste renie-moi. Oublie-moi. Je ne veux plus... ça sert à rien plus que je fais d'en mettre Vals. Que ce soit des Pokémon pour un midlife alors que... Porte vous y fait du taf, du coup à soigner, mais Vals... c'est 40 HP qui vont changer grand chose quoi. Oui, il fait du coup se terminer, très bien. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, bah je pense que tu ferais mieux d'aller avancer vers la ligue plutôt que venir défier sur qui passe comme un débile. Ça me semble que c'est électrique haut. Donc on va s'en foutre un petit peu. Non, c'est juste. Non, c'est au poison, au poison, au poison, au poison. C'est le fait qu'il ait des petites. On dirait un petit peu qu'il est électrocuté vu qu'il a des petits pics, mais. Alors là, porte-feu, tu vas tous te les faire. Parce que t'es plus VS que lui, t'es plus VS que lui en plus. Et je tac. Oh, ouf, oh, d'accord, très bien. Oh, génial. Génial. Porte-feu, fais-moi plaisir. Oh oui, porte-feu, tu me fais plaisir. Me fait tellement plaisir.
Et si vous pouvez me faire plaisir une fois de plus, je serai aux anges. Bon, voilà. T'as déjà fait du taf. Par contre, ça sert à rien de. Voilà, c'est 50%, donc c'est bien une chance sur deux, effectivement. Ça serait bien que tu touches. Genre, pour les stats. Là, on est plus les stats. Là, on est à 3 échecs, 1 touché. Mais vous avez vu, hein, quand on met du nouveau point sur les ennemis, bah, ça reste un tour. Quand on se prend un ultrason, ça reste 4 tours. 5 tours. Après, bon, je sais pas si. Selon par quoi la folie est mise. La folie est plus viciante ou pas, je ne pense pas. Hein. Parce que c'est random. Et tout le charme de ce jeu, j'ai envie de dire. Mettre Kenyos en premier, histoire d'essayer de l'XP. Ah non, Kenyos c'est niveau 32, autant pour moi. Peut-être que niveau 34 il aura avec un peu de chance. Bien sûr. Oui. Laissez-moi tranquille. Adieu, Kalidos. Adieu. Adieu. Au revoir. Oh, incroyable. Donc là, clairement, on va mettre Kadabra. Ouais, en fait, il n'y a que Kadabra qui peut... Si Kadabra est KO, c'est fini. C'est bon, ça passe. A priori. Ah oui, ça passe pas du tout en fait. Et ben, je m'y attendais pas à une attaque, j'avoue que. Pour le coup. Pour le coup, ça m'a un peu surpris. On s'est fait décimer nos Pokémon, on est très content. Très content. Kainos c'est les HP Kadabra à 8. On va encore utiliser des hyper potions. Vu qu'on donne 50% de nos gains à maman et que j'ai oublié de mettre la pièce rune, on a plus d'argent actuellement. Quoi que si ce ressort, il a pas de l'argent, il me semble. J'ai pas regardé. Mais il me semble avoir vu des trucs à 3 chiffres. Non, si toi tu soignes. Oh merde. Je m'y attendais pas. J'ai vu la maison, je me suis dit, oh putain, elle va soigner. Je voulais juste passer, madame, je voulais juste passer. Je suis désolé. Je voulais juste passer. C'est même mon seul crime, vouloir passer. Ah bah tiens, Pokémon qui n'a pas évolué au 36. Je connais votre problème, madame, ne vous inquiétez pas. Bon après, bon, il évolue qu'une pierre foudre en plus, ce con-là, il me semble. Je ne saurais pas dire. Ah, Kainos qui fait des bons dégâts quand même. Ouf. Ok, c'est bon, il y a la dame pour soigner à côté, tout va bien. En plus, Kainos n'est même pas mis KO. Ça passe sans de précision Fatal Foudre. Mais ça passe quand même. Non mais c'était greedy, j'aurais dû changer. Ça me dit que c'est Vals, mais il est pas. C'est pas le bon type quoi. C'est pas le bon type. Kadabra est en dessous de Hortefeu. Bon, Kadabra t'as la vitesse je pense. Kadabra t'as la vitesse. Tu fais une petite rafale psy, ouais, de la vitesse, nickel.
c'est... Parfois j'ai envie d'être physiquement violent avec des Pokémon, et ce Pikachu, on a envie d'être physiquement violent avec lui. Ah, c'est bien que tu rates ton attaque, hein, Sagouin. Vas-y, lance Fatal Food, c'est un Pokémon type foudre, hein. Idiot. Bon, je dis ça, j'ai pas beaucoup d'attaques qui ne sont pas foudre avec Hortefeu, mais bon... Hortefeu, tu vas tellement te goinfrer en XP. Mon cochon. Hortefeu. Mais Hortefeu, mais c'est un Tortank de ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que... Quand est-ce que t'as pris autant de dégâts, autant... D'où sort ta puissance de feu, Hortefeu? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es la lumière... Enfin... Oui, sans un jeu de mots, tu es la lumière au bout du tunnel de cet épisode. Je dis pas ça parce que t'éclaires des phares, je t'assure. Oh, tais-toi. C'est incroyable, non, c'est pas incroyable, non, c'est pas incroyable. Ton Pikachu de mort, là. Après, bon, ça, c'est le défaut de mon équipe. Mon équipe, j'ai pas grand-chose pour contrer les Pokémon électriques. Genre, j'ai pas grand-chose, j'aime rien. Est-ce qu'on peut zapper? On peut tout simplement pas zapper. Bla bla bla. Voilà. Oh, l'ambiflore, ce qu'il va prendre. Après, il est poison aussi. Du coup, il y a moyen qu'il tue quand même. Qu'il mette quand même KO Caninos. Caninos tue même pas en deux tours, quoi. Non, Caninos prend pas trop... Ah non, c'est juste empoisonnement, c'est juste empoisonnement. Allez, Caninos. Tu survis, t'es bien. Ah bon, un coup critique aurait été sympa, mais... Allez, Caninos, tu prends pas trop cher, s'il te plaît, Caninos. Ça va, tout va bien. Bien joué Caninos, je suis très fier de toi, tu t'es fait un empiflore. Je suis très fier de toi. Tellement de Pokémon ou quoi? Totalement Pokémon O. Ah, Pyroline est hyper content de pas avoir notre Pokémon O, qui se serait fait du coup. Du coup, on va envoyer Kadabra et en espérant que ça passe. Parce que je pense que c'est le Pokémon avec Mayamuscle aussi qui a beaucoup de dégâts, peu importe l'élément. Mais pour autant, Kadabra a besoin d'un peu d'XP, au moins passer niveau 34, je pense. Ah oui, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ça tombe bien en face. Allez, ça passe. On va pas ton attaque. Et là, Kadabra, si tu le rends confus et qu'il se tue lui-même, qu'il se mette KO lui-même. Non, c'est pas le cas. J'attends que Caninos va évoluer. Va prendre de l'XP, je veux dire. Voilà, bon côté des choses, j'ai envie de dire. Ah, j'arrive, c'est pas de mal d'avoir le bon côté des choses, j'avoue que... Enfin, c'est moi qui joue comme un caca, mais... Toujours pas de up. Bon, tu sais quoi, tu vas souffrir autant du voyage, hein, Caninos. Désolé, mais... Bah, le temps qu'on aille voir Adam... J'ai pas utilisé un rappel pour Kadabra, a priori. Oui, mais Pokémon sont fatigués, Pokémon se font défoncer, madame. Super, merci.
Radio, vous êtes sûr qu'elle fait pas PC par hasard? Je pense pas, hein. C'est plus une question rhétorique. Si on veut passer à gauche, hop là, faut voir le monsieur. Bonjour monsieur. Bon, je pense qu'une fois qu'on sera devant la grotte, on va sauvegarder et stopper cet épisode. Parce que là, autant le moral que la taille de l'épisode sont en train de progresser de manière inversée, vous voyez? Genre. Vous savez, parfois dans votre vie, il y a des situations qui vous paraissent injustes. Eh bien, il faut faire avec. Pourquoi est-ce que Jessica a refusé d'aller sortir avec vous? Enfin, Jessica slash Brad, en fonction de vos préférences. En fonction de vos préférences amoureuses, sexuelles, je ne sais pas. Et quoi, couac. Oui. Pourquoi est-ce que Jessica slash Brad a refusé de vous accompagner au bal de prom? Eh bien, la vie est injuste. Parfois compliquée, incompréhensible, incompréhensible. Et il faut faire avec. Pourquoi Quack-Quack survit à littéralement 5 HP après l'attaque d'Hortefeu? Hortefeu, pourquoi tu BKO en un coup des Dortanks et pas des Aquaquacks? D'un côté, une seconde évolution, d'autre côté, une troisième évolution. On ne sait pas. Et on continue, parce qu'il faut continuer. Je l'avais pas vu, mais je pense qu'on n'aurait pas eu le choix. Ah ben Aspadin, Aspadin se l'est fait. Nice. Et ben tu sais quoi, Aspadin, je le connais un petit peu, je lui ai mis quelques rectances anales. En même temps, avec un Pokémon, tu m'étonnes. Ah, ça ne galope pas, mais non. Non. Oh là là. Elle va vite. Tu feras attention à pas lui faire de dégâts, Kalinos, sans faire exprès. Bon, Kalinos, on va sortir la potion pour toi, hein, quand tu seras un petit peu plus low. Ne t'en fais pas. Ouais, bon, écoute, peut-être qu'on va jamais changer de Pokémon. Malheureusement, on n'a pas notre Pokémon de type. Plus que 5 hyper potions, vraiment. On va galérer, on va tellement galérer. Bon, ça a touché deux fois. Bon, achat de Pokémon, on va mettre. On va mettre muscle. Hein, que le bras s'ouvrirait pas à un choc frontal et hors de feu a déjà pris suffisamment d'XP. Point karaté devrait suffire, je pense. S'il n'est pas peur, bien sûr. Ah, critique tout à fait classique, ma foi. Ah, c'est nickel. Ok, nickel. Eh bien, écoutez, on est devant la route de victoire. On va juste parler au monsieur pour dire qu'on a les badges et s'arrêter là. Ah, cette musique. Mon doux seigneur. On en est là, effectivement. Attendez, vous, qu'est-ce que vous voulez, vous? D'accord, vous bloquez juste le passage, très bien.
Ah oui, merci de me. Merci de me. Enjailler comme ça, de vendre le truc. Eh bien écoutez, ce sera tout pour cet épisode-là. Un peu un épisode de la déception, de la désillusion, de l'étonnement et de l'adaptation sauvage. Enfin, voilà, il faut bien qu'il y en ait un. Merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine, mes chers amis. Au revoir.